L'actualité vue par le quotidien paru ce lundi 25 juin 2018 par une autre rédaction. On va commencer par la une du journal La Nation. La Nation qui titre ce matin: recensement national de l'agriculture. Les opérations officiellement lancées vendredi 22 juin dernier à Toribosito. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouy, a procédé au lancement du recensement national de l'agriculture. La suite de l'article à lire avec La Nation qui titre également ce matin: congrès constitutif du Parti des démocrates indépendants, encore du soutien aux réformes du gouvernement. À la suite du quotidien, La Nation retrouve le matin. Le matin titre: loi sur le bail pour soulager les pauvres populations. Talon reçoit l'accord de la Cour. Talon reçoit l'accord de la Cour. Et parlant d'autres actualités, le quotidien le matin écrit: respect du critère d'âge pour la présidentielle au Bénin. La haute juridiction corrige l'anomalie des 39 ans plus 1. On évolue avec le témoin, le grand témoin plutôt, le quotidien Le Grand Témoin. Albert Aïvodi au sujet du blocage du conseil communal de Lokossa et pas des frondeurs, une pagaille politique sur fond d'intérêt personnel. Écrit le quotidien Le Grand Témoin. Le Grand Témoin titre également: annulation de l'arrêté portant uniformisation de la tenue kaki dans les collèges publics et privés du Bénin, premier grand faux pas du ministre Kapo-Maoyon. Premier grand faux pas du ministre Kapo-Maoyon, puis réforme du système partisan téléchargement. Trois grands blocs se dessinent autour de Amoussou, Biotiane et Roumbédji, les pharaons. Le quotidien Les Pharaons parle également législative 2019, les hommes de ABT dans le septentrion. Les hommes de ABT dans le septentrion, puis loi sur le bail avec les pharaons, toujours une bouée de sauvetage pour les populations. Ce même quotidien nous rapporte quelques informations concernant la fonction publique. Les pharaons titrent alors: fonction publique vers une modification des horaires de travail. L'information est à retrouver en page 9 du quotidien La Dépêche. La une du quotidien La Dépêche: première décision et audience publique de la haute juridiction. Tour de magie à la cour. Tour de magie à la cour. Autre actualité avec La Dépêche: édition du mandat de l'actuel COSLEPI. La CDD Bénin appelle le peuple à la vigilance. Un mauvais signal, une entorse à la démocratie, dénonce le parti pour la libération du peuple. PLP. Le quotidien parle aussi de l'actualité sportive planétaire actuelle. Bon, l'actualité sportive planétaire, le football mondial Russie 2018, Sénégal. Les Africains retiennent leur souffle pour la qualification. Russie mondial Russie 2018, Sénégal. Les Africains retiennent leur souffle pour la qualification. La diaspora de Sabah, Eritrea, la Camée, de l'agrément d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Vivement que cette mesure n'a faite pas le pouvoir d'achat des consommateurs. Le cri d'alerte de l'honorable Valentin Diamantin a retrouvé dans les colonnes du quotidien La diaspora de Sabah. La diaspora de Sabah titre aussi législative de 2019. L'opposition appelée à mieux se structurer pour contrer les blocs du pouvoir. Martin libre de ce lundi, comité de pilotage de la réforme du secteur pharmaceutique. La preuve que Talon ne joue pas par Diogbénou. La preuve que Talon ne joue pas par Diogbénou. On reste avec ce même quotidien qui titre aussi tournoi Football for Friendship. Yamirou Ouro honore le Bénin. Même information relayée par Fraternité qui en parle également. Fraternité, Coupe du Monde Football for Friendship des jeunes à Moscou. Yamiou Ouro de l'USS Kraken a honoré le Bénin avec Fraternité. D'autres titres également à lire: législative 2019, les trois blocs de la mouvance et les blocs de l'opposition. Les trois blocs de la mouvance et les blocs de l'opposition. Fraternité toujours, les décisions révolutionnaires de la Cour constitutionnelle, à retrouver en page 6 et 7 du quotidien Fraternité. L'autre quotidien. L'autre quotidien, l'actualité à la une du quotidien. L'autre quotidien, réforme imminente du secteur pharmaceutique. Talon engage résolument le processus. Talon engage résolument le processus. Coupe du monde de Russie 2018, le Sénégal toujours dans la course. Le Nigeria vivement attendu demain face à l'Argentine. Lit le point de la deuxième journée du premier tour en page 9 du quotidien. L'autre quotidien, l'événement précis.
L'événement précis, recomposition de la mouvance présidentielle en vue des législatives, trois grands blocs politiques en gestation autour de Patrice Talon, bloc 1 supervisé par Amoussou, bloc 2 dirigé par Ombedji, puis bloc 3 et coordonné par Bio Tchané. Fixation au 30 juin de la fin du mandat du COS, les pieds, un autre titre à retrouver avec l'événement précis. Janvier Yaouileo et CP se plient à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Béninois libéré, toujours pour poursuivre la revue des titres sur Matin d'Éden, le Béninois libéré, création du PDI, Ndonoubou invite les femmes à faire mieux. Création du PDI, Ndonoubou invite les femmes à faire mieux. Annulation de la généralisation du port de Kaki, le ministre Kakou Maouyon, un bon père de famille. Le ministre Kakou Maouyon, un bon père de famille. Puis lutte contre les sachets plastiques à la répression. Quid des emballages biodégradables? C'est à retrouver, tous ces détails à retrouver avec le Béninois libéré. Palmarès. L'actualité à la une du quotidien. Palmarès, Cour constitutionnelle, sixième mandature. Les inquiétudes se confirment. La justice constitutionnelle a rude épreuve à l'ère de Diobenou et le peuple très inquiet. Cet détail à retrouver avec Palmarès, retrait de l'agrément à la CAMÉ. Qui l'ogne, citant le secteur des médicaments, interrogation. À retrouver avec Palmarès, Valentin Dionantin dénonce des manœuvres. C'est bien à propos de ces réformes au niveau du secteur pharmaceutique. L'information sera rapportée ce matin par le quotidien Palmarès. Le Martinal. Le Martinal titre ce matin, secteur pharmaceutique, Patrice Talon rebat les cartes. Annulation de la décision du port de Kaki dans le public et le privé. Maouyon Kapo à l'écoute des promoteurs. Et puis le Soleil Bénin Info pour boucler cette revue des titres. Le Soleil Bénin Info, loi sur le bail dénonce déclaré conforme à la Constitution. Le mandat social de Patrice Talon enraciné. Fini les spéculations diverses subies par les populations à faible pouvoir d'achat. Le Soleil Bénin Info écrit aussi réforme du secteur pharmaceutique. Le gouvernement retire l'agrément accordé à la CAMÉ. Merci à tous.